10 ans après l'enlèvement de sa fille, chaque bruit de pas, chaque craquement de porte provoque encore chez Marie Chetima une lueur d'espoir. Quand j'entends des pas à la porte, je pense toujours que c'est ma fille qui revient. Parfois, je relâche mes cheveux et je l'imagine en train de les tresser. J'ai attendu, attendu, attendu. Le 14 avril 2014, des combattants de Boko Haram kidnappent 276 écolières dans une école de la ville de Chibok, au nord-est du Nigeria. L'événement provoque un élan de solidarité mondiale, donnant lieu à la campagne « Bring Back Our Girls ». Mais le soutien des stars hollywoodiennes ne suffit pas à faire revenir les filles de Chibok. Et 10 ans plus tard, près d'une centaine sont toujours portées disparues. On les a laissées tomber. Le gouvernement, la communauté internationale, tout le monde a abandonné ces filles, cela ne fait aucun doute. Les autres se sont enfuis, ont été secourus ou relâchés par leurs ravisseurs contre une rançon. C'est le cas de Grace qui a passé 3 ans en captivité. Aujourd'hui âgée de 27 ans, elle a repris les études et espère un jour parvenir à surmonter son traumatisme. Ces gens ont détruit ma vie. S'ils ne m'avaient pas emmenée dans la brousse, ma vie aurait été bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. À Chibok, où l'école a rouvert ses portes en 2021, on aperçoit encore les ruines carbonisées des dortoirs et des salles de classe. Et malgré une présence sécuritaire renforcée, la région vit toujours sous la menace des attaques terroristes. Ici, le conflit avec Boko Haram perdure. Et ces dernières années, les enlèvements de masse se font de plus en plus fréquents. Depuis 2014, plus de 1 700 élèves ont été kidnappés dans des écoles au Nigeria.